Et le problème, c'est que si tu fais ça toute ta vie, au bout de 40, 50 ans, les risques de devenir diabétique s'installent. Il y a le risque de faire un foie gras, un vrai foie gras, comme les oies. Oui, on les gave, on les gave, on les gave, et leur foie devient gras. C'est pour ça également que tu peux retrouver des difficultés à arrêter de consommer des produits sucrés ou tu t'as toujours envie de manger quelque chose de sucré. Oui, mais après le repas, j'ai envie de manger quelque chose de sucré. Là, je m'ennuie. Pourquoi est-ce que t'as envie de manger du sucré quand tu t'ennuies? Avec une bonne alimentation et c'est réversible. Ce qui veut dire que même si tu faisais n'importe quoi, c'est possible de renverser la vapeur. Et c'est beaucoup plus rapide que ce que tu ne le penses. Et l'objectif c'est de se détoxifier du sucre en seulement 7 jours. Si je te disais, eh ben écoute, tu commences ta détox sucre. Ben concrètement, tu saurais pas comment faire. Et bah ben, si tu te poses ces questions là aussi, eh ben j'ai la solution pour toi. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet, je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et dans cette vidéo, on va parler du sucre et plus précisément de la détox sucre. Et tu vas voir que le sucre, si on en consomme en trop grande quantité, il va avoir des impacts très importants sur trois aspects de notre vie, sur notre organisme. Bon bon, ça tu le sais déjà probablement, sur notre vie au quotidien, donc notre vie de tous les jours, mais aussi sur notre espérance de vie. Donc en fait, ta consommation de sucre va pouvoir augmenter ou bien diminuer ton espérance de vie. Et ça, c'est quelque chose que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais te partager les solutions pour pratiquer une détox sucre et éviter ce genre de problème sans pour autant te frustrer au quotidien. Premièrement, c'est l'effet sur notre organisme. Quand on consomme du sucre, l'hormone qui va être sécrétée pour pouvoir gérer ce sucre-là, tu la connais probablement c'est l'insuline. Le rôle de l'insuline c'est de débarrasser le sucre du sang, donc de redescendre la glycémie à quelque chose de normal. Donc je mange du sucre, ma glycémie augmente et l'insuline va venir pouvoir la réguler. Ça c'est ce qui se passe normalement. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque toi en consommes trop Qu'est-ce qui se passe quand on consomme en trop grande quantité ou qu'on en consomme trop régulièrement sur la journée Il y a plus de travail à faire donc on va produire davantage d'insuline. Sauf que lorsqu'on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline, on peut développer ce que l'on appelle la résistance à l'insuline ce qui veut dire que le foie devra travailler encore et encore et encore plus pour avoir exactement les mêmes effets sur ta glycémie et le problème c'est que si tu fais ça toute ta vie au bout de 40 50 ans les risques de devenir diabétique s'installent et oui les diabétiques de type 2 parce qu'il y a le type 1 et le type 2 type 1 c'est génétique type 2 il se déclenche à force de trop tirer sur l'insuline tu as tellement utilisé l'insuline que le foie lui il est fatigué tu as développé une résistance à l'insuline ce qui fait que bah, l'insuline ne fait plus vraiment le travail donc il faut que toi tu apportes de l'insuline, c'est pour ça que les diabétiques se font des piqûres d'insuline. Ou bien tu vas développer une résistance à l'insuline, et c'est pour ça que as certains diabétiques qui eux ne se piquent pas à l'insuline, mais plutôt prennent des comprimés pour augmenter la sensibilité à l'insuline. Et tout ça est dû à quoi Elle est due à une résistance parce que on a trop tiré sur l'insuline, on a produit trop d'insuline parce qu'il y avait trop de consommation de sucre. Donc ça, c'est si tu consommes trop de sucre. Et après, tu vas avoir tous les autres problèmes qui s'accompagnent de cela. Il va y avoir la prise de avec les essoufflements, les douleurs articulaires, l'augmentation de l'inflammation, l'augmentation de la cellulite qui dit augmentation de la cellulite dit aussi augmentation de la pression artérielle, donc problème respiratoire, problème cardiovasculaire, on va avoir également l'augmentation des triglycérides, hypertriglycéridémie. Bah oui parce que simplement le sucre que tu as consommer en trop grande quantité sera converti en gras, d'où la fameuse prise de poids. Donc il y a aussi le cholestérol qui va augmenter, augmentation également de la graisse viscérale parce qu'on a la graisse sous-cutanée, donc euh, au niveau de notre peau. Mais on a aussi la graisse qui est viscérale dans nos organes. Et ça, elle est très, très, très dangereuse parce qu'il y a toutes les maladies métaboliques, cardiovasculaires. Il y a le risque de faire un foie gras, un vrai foie gras. Comme les oies, oui, on les gave, on les gave, on les gave. Et leur foie devient gras. Et bien là, c'est la même chose. Et le problème, c'est que si le foie devient gras, s'il y a des, des graisses viscérales qui s'installent, c'est toutes les fonctions de ton organisme qui vont être ben, totalement euh, mises en danger. Donc la maladie hépatique, risque de cirrhose, problème métabolique, problème endocrinium oui, parce que le foie produit des hormones. Problème aussi au niveau de la redistribution des nutriments. Et on a aussi le risque de développer, d'augmenter la séquestration splenchnique. Qu'est-ce que c'est que cette séquestration splenchnique? C'est tout simplement le tube digestif pour pouvoir survivre. Lui va retirer, va entre guillemets séquestrer une partie des nutriments que nous on consomme. Et là, si on a un foie gras, si on a un foie qui est en mauvaise santé, cette séquestration va augmenter. Et donc, ça va augmenter le risque de développer des carences. Donc, tu te rends compte que manger trop sucré peut avoir un un impact direct sur ton organisme et sur toutes les maladies potentielles que toi tu peux développer. Donc il n'y a pas uniquement le fait de dire voilà je mange sucré, je vais prendre du gras, si ce n'était que ça. Ma foi, c'est pas très grave. Mais là, il y a tout le problème respiratoire, cardiovasculaire, métabolique, endocrinien, uniquement sur ton organisme. Parce que le sucre, il va avoir un autre impact qu'on délaisse totalement ou peut-être qu'on ignore. C'est sur notre cerveau. Et c'est le deuxième point dont je te parlais quand je te disais que le sucre avait un impact direct sur ta vie au quotidien. Lorsque tu vas manger du sucre, il va activer une certaine zone dans ton cerveau qui va libérer de la dopamine. C'est une hormone qui est sécrétée lorsque tu fais des activités plaisantes. Donc c'est vraiment une sensation de bien-être, une sensation de récompense. C'est pour cela qu'on appelle aussi le circuit de récompense. Et en fait, ce circuit de récompense là, c'est le même qui est activé lorsqu'il y a la consommation de drogue. Je dis ça pour que tu puisses faire le lien. Lorsque tu vas consommer du sucre, il va y avoir cette activation là, et donc tu vas avoir une libération de dopamine. Le problème, c'est que lorsque tu consommes trop de sucre, et eh ben ça va faire comme avec l'insuline, il va y avoir une surstimulation de ce circuit là, ce qui fait que ton cerveau va commencer à devenir résistant à la dopamine. Ce qui veut dire que pour avoir les mêmes effets de satisfaction, il va falloir une plus grande dose de dopamine. Et tu commences à comprendre le lien avec la drogue. Pourquoi est-ce qu'on parle également d'accoutumance à la dopamine C'est que pour avoir les mêmes effets, il faut une dose encore plus grande. Donc du coup, le sucre qui était un aliment réconfortant au début, bah là, ne nous fait plus rien. Donc on a besoin d'en consommer encore plus pour avoir cet effet réconfortant. Mais le pire dans tout ça, ce circuit de récompense là, il n'est pas propre uniquement au sucre. C'est le même circuit. De de récompense qui est utilisé dans la vie de tous les jours pour les choses dans lesquelles tu peux prendre du plaisir ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'une augmentation de la consommation de sucre peut entraîner des moments où bah tu t'as un peu la flemme de tout t'es pas motivé t'es pas trop concentré t'es irrité t'es pas bien t'as des problèmes de concentration également es ton attention elle est un petit peu dispersée et ça peut même créer des situations où tout va bien dans ta vie entre guillemets tu vois t'es dans une situation très agréable mais tu sais pas il y a quelque chose qui va pas tu, tu peux pas l'expliquer t'es es t'es là t'es chez toi t'es assis Tranquille ou t'es dehors, mais tu dis je, je comprends pas, je suis bien, mais pff, je me sens pas bien. Et bah l'explication à cela, c'est l'accoutumance à la dopamine, c'est la résistance à la dopamine que te crée le sucre de la même manière que cette dépendance à la dopamine est créée chez une personne qui est addict à des drogues ou bien à du tabac, parce qu'on a cette activation du circuit de récompense, mais on l'a tellement surstimulé qu'il faut maintenant une grande quantité pour avoir les mêmes effets. Et bah là c'est ce qui peut se passer avec le sucre. Et le problème, c'est que va le retrouver dans la vie de tous les jours, problèmes de motivation, baisse de morale, etc., etc. Ça peut être dû, je dis ça peut être, mais c'est dans la majorité des cas dû à la consommation de sucre qui en fait t'a complètement bousillé. J'emploie ce terme-là parce que c'est vraiment le, ça t'a grillé le circuit de récompense. Et donc c'est très intéressant là de faire une détox sucre. Tu comprends pourquoi est-ce qu'on utilise aussi ce terme détox sucre Et c'est vraiment une chose où on va faire une sorte de reboot. On va se dire ok, là on avait surstimulé notre circuit de récompense, on avait, on avait fait un peu n'importe quoi sur notre organisme, mais ok, boum, là, on va reprendre le contrôle Et c'est pour ça également que tu peux retrouver des difficultés à arrêter de consommer des produits sucrés, où tu as toujours envie de manger quelque chose de sucré. Oui, mais après le repas, j'ai envie de manger quelque chose de sucré, là, je m'ennuie. Pourquoi est-ce que tu as envie de manger du sucré quand tu t'ennuies Je m'ennuie, baisse de, entre guillemets, de morale, c'est pas trop cool, j'ai envie d'un pic de dopamine. Boum, je vais manger un truc sucré. Tu t'es jamais posé cette question-là, pourquoi je voulais placard euh, quand je m'ennuie bah, C'est pour cette raison-là. Donc, ça a un impact direct sur notre cerveau, sur la vie qu'on a au quotidien, parce que les petits... Petites choses qu'on fait au quotidien détermine notre routine et les routines déterminent tout simplement ce qu'on va faire les semaines, les mois, les années et du coup durant notre vie. Donc on a un impact sur notre cerveau, on a un impact sur notre organisme et on a un impact direct sur notre espérance de vie et c'est le troisième point dont je voulais te parler. Je ne sais pas si tu savais, mais on a deux âges. Le premier âge, c'est notre âge chronologique très simplement. Voilà, t'es né en 1980, 1990, OK. Mais le deuxième âge, c'est l'âge biologique et cet âge là, il varie. Ce qui veut dire que tu peux avoir 40 40 ans mais avoir un âge biologique de 75 ans tout comme tu peux avoir 75 ans mais avoir un âge biologique de 40 ans il y a une expression lorsque je travaillais en cardiologie que tous les médecins reprenaient c'est on a l'âge de nos artères je répète on a l'âge de nos artères et puis il y avait une autre un petit peu plus morbide qui disait on creuse notre tombe avec nos dents pourquoi parce que notre organisme lui il connaît pas les années il y a dix ans qui sont passés, etc etc à partir du moment où tu as une alimentation qui est saine ton organisme lui vieillit doucement et si tu as une alimentation qui est mauvaise, qui est malsaine, il va vieillir beaucoup plus vite. Et moi, quand j'étais en cardiologie, on avait monté un service diabéto avec docteur Younes. Et en général, c'était des personnes qui avaient 50, 65 ans, qui étaient plutôt en surpoids, en obésité, qui venaient parce qu'ils étaient diabétiques, parce qu'ils avaient du cholestérol, etc., etc. Mais il y avait des personnes qui avaient moins de 40 ans. Je me rappelle d'une personne précisément. Elle avait moins de 40 ans, cette personne. C'était un homme. Il avait moins de 40 ans. Il n'était pas obèse. Il n'était pas en surpoids. Tu le vois dans la rue, tu te dis, bon, bah, lui, il est en bonne santé. Boum, AVC. Moins de 40 Ans. Il a fait un AVC. Pourquoi Parce qu'il mangeait complètement n'importe quoi. Et du coup, boum. Alors que, et il s'est retrouvé au milieu d'entre guillemets de personnes âgées. Pourquoi Parce qu'en fait, son corps avait un âge biologique d'une personne âgée. Il avait un âge biologique très avancé. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet âge là, il est modifiable. Ce qui veut dire que si tu avais un âge biologique de 70 ans, admettons, mais que tu manges bien, tu te reprends, tu reprends une bonne routine, et ben ton âge peut rediminuer. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un petit peu comme les jeux qui avaient sur DS, là, le calcul mental, ton cerveau à 20 ans, bah, en fait, à force d'entraîner ton cerveau, tu peux développer des connexions et donc ton cerveau à l'âge euh, d'un cerveau, d'un adolescent, euh, de quelqu'un qui est étudiant, qui est actif. Voilà, bah, c'est la même chose pour ton corps. Tu peux avoir 60 ans, 65 ans, 70 ans et quand même avoir un âge biologique de 20, 30, 40 ans. Pourquoi et comment le faire avec une bonne alimentation Et c'est réversible, ce qui veut dire que même si tu faisais n'importe quoi, c'est possible de renverser la vapeur, et c'est beaucoup plus rapide que ce que tu ne le penses. Et c'est là où on en vient à la fameuse détox sucre. Le principe d'une détox sucre, c'est de supprimer complètement le sucre de ton alimentation. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école du on fait ça sur sept jours, 7 jours zéro sucre. Après, je t'expliquerai exactement quel sucre enlever, etc., etc. Mais zéro sucre, on lance sept jours. Et après, il y a une autre école qui dit on le fait sur le plus long terme, sur 20 21 jours. L'avantage du premier cas, donc sur 7 jours, c'est que c'est rapide, c'est ultra efficace, les résultats ne se font pas attendre, ils sont immédiats. Mais l'inconvénient, c'est que c'est vrai, ça demande un petit peu plus d'efforts, et donc il faut savoir par quoi remplacer tel aliment, telle chose, et sur les 7 jours, ça demande un petit peu plus de motivation. Pour l'autre cas, sur 21 jours, l'avantage c'est que c'est un petit peu plus facile, parce que tu t'autorises quelque chose sucré, tu vas pas couper complètement, mais tu vas diminuer. L'inconvénient, bah, c'est que les résultats se font un petit peu plus attendre. 7 jours, Contre 21 jours, donc il faut tenir un petit peu plus sur la durée et t'as pas les résultats immédiatement quoi. Mais lorsque tu pratiques une détox sucre, par contre, il y a des erreurs à éviter. Il y a quatre erreurs à éviter. La première, c'est de supprimer toutes les sources de glucides. Quand on parle de sucre, on va parler de glucose, on va parler de saccharose, de dextrose, le sucre ajouté. Il faut pas supprimer les féculents, par exemple. Il faut pas supprimer les fruits. Il faut les garder, mais dans les bonnes quantités. Parce que si tu supprimes ça, ça va être très difficile déjà d'une de réussir ta détox sucre et de deux, ça peut augmenter le risque de développer des TCA. À trouble du comportement alimentaire donc c'est une erreur à ne pas faire la deuxième erreur c'est de ne pas manger suffisamment si tu ne manges pas suffisamment tu vas créer un trop grand déficit calorique et donc ta glycémie va être basse lorsque ta glycémie elle est basse sur toute la journée tu vas avoir un principe de survie de la part de ton organisme c'est te pousser à augmenter ta glycémie et donc te pousser à manger des choses sucrées donc c'est vraiment pas une chose à faire mange par rapport à tes besoins ne te prive pas mais ne mange pas n'importe quoi et ne mange pas bien évidemment les choses sucrées la troisième erreur et elle est ultra répandue c'est de compenser par des édulcorants, par des boissons light, par des produits sans sucre, tout ce qui est sucralose, maltitol, xylitol, K, aspartame, etc. C'est très mauvais de compenser par cela. Ça va envoyer une fausse information de sucré à ton cerveau. Le problème, c'est que ton cerveau lui va sécréter de la dopamine, mais il va s'attendre à une, à une source de calories et donc elle n'y est pas la source de calories. Et en fait, il y a des études qui ont montré que parce qu'il va y avoir ce mécanisme-là, ton corps va te pousser à consommer des calories parce qu'en fait, il se sent leurré, te grossir un petit peu le truc parce qu Il y a plein de réactions biochimiques, etc. Mais il va se sentir un peu leurré. Et donc c'est lui qui va te pousser à consommer du sucre. Après, il y a plein d'autres raisons, notamment au niveau de la modification de la flore intestinale, etc. C'est etc. une des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire cette erreur de vouloir remplacer le sucre par du faux sucre. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas respecter les règles de base. Ça bien dormir, donc augmenter la fatigue. Qui dit plus de fatigue, dit plus d'envie de grignotage et de pulsion de prise alimentaire. Et ça, c'est les études, elles sont claires là-dessus. Donc le fait de ne pas suffisamment dormir, ça va complètement saboter tes efforts. Et bien évidemment, le fait aussi de manger trop gras. Ça, c'est des grands principes de base, mais je tenais quand même à te préciser. Si, comme 99% des personnes, quand on parle de détox sucre, tu te dis mais c'est super, il faut que je fasse ça, il faut que je teste et que tu es motivé, bah je suis prêt à parier que comme la majorité des personnes, si je te disais, eh ben bah, écoute, tu commences ta détox sucre, bah, concrètement, tu saurais pas comment faire. Comment faire pour savoir où est le sucre Quel aliment garder Quel aliment supprimer Quelles alternatives Comment faire pour gérer les envies de sucre La sensation de manque, la sensation de faim, lorsque j'ai envie de grignoter. Comment est-ce que je fais Comment gérer les tentations, mais surtout comment faire aussi pour le café sans sucre Comment gérer la fatigue, les maux de tête, l'irritabilité Comment faire pour trouver la motivation aussi Mais comment faire pour tenir sur la durée Parce que qu'est-ce qu'on fait après la détox sucre concrètement Comment est-ce que je fais si je suis invité par les parents, par des amis Comment est-ce que je fais si j'ai des enfants Et ben bah, si tu te poses ces questions là aussi, et ben bah, j'ai la solution pour toi. On va faire un challenge, un challenge détox sucre sur sept jours. Toi et moi, on va le faire ensemble et tous les membres de ce challenge également. Ce sera un challenge live, tu auras un groupe d'entraide, tu auras des lives tous les soirs et l'objectif c'est de se détoxifier du sucre en seulement 7 jours. T auras toutes les réponses et même encore plus aux questions qu'on a soulevées tout à l'heure. Comment faire ci, comment faire ça. tu T'auras rien à faire, aucune question à te poser. Je te donnerai sept jours de menu, les recettes à suivre et puis après les équivalences aussi. Si t'as pas envie de manger ça, tu peux manger ça. T auras tout, 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 tout. T auras simplement à suivre et on sera tous ensemble pour tenir. Parce que la chose la plus difficile, on a fait dans son âge, il y a plus de 400 personnes qui ont répondu, c'est de trouver la motivation. Parce que c'est difficile quand on est tout seul dans son coin. Donc là, je te propose qu'on le fasse toi, moi et tous les autres membres du challenge ensemble. Si es intéressé pour en savoir plus sur ce challenge-là, t'as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description, et moi je t'enverrai toutes les informations, qu'est-ce qui contient, la durée, etc., etc. Et bien évidemment, si t'as des questions concernant ce challenge, n'hésite pas dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo elle a répondu à énormément de tes questions sur le sucre, et si tu veux tester ce challenge-là avec nous, et ben c'est avec grand plaisir. Mais ne rate pas la date, parce que passer les inscriptions ce sera plus possible de nous rejoindre. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère te voir dans ce challenge.